je peux déjà enlever les segments aussi. C'est mieux à deux mains. J'en profite pour faire un contrôle. Bon, celui-là, je vais peut-être préférer le faire à deux mains. Ouais, c'est beaucoup mieux à deux mains. Il est plus délicat à enlever celui-là, dans le dessous. Bon, je vais le faire. Voilà, ce sera plus simple comme ça. On prend les deux becs dans les ongles. Il est là. Voilà, je vais enlever le piston. Et vous avez pu remarquer qu'il y avait le segment expander au fond, là. Alors, là, je vais pas enlever les deux clips. Je vais en enlever qu'un. J'aurais dû enlever l'autre côté parce que là, il y a l'appareil photo qui me gêne au milieu. Ça gêne beaucoup même. Voilà. L'idéal, c'est de les changer à chaque fois, ces choses-là. Hein. Et le plus dur, eh ben, maintenant, il faut faire sortir l'axe par ce côté-là, hein, puisque de l'autre côté, il y a toujours le clips. Vous l'avez vu bouger? Il est sorti un peu. Et on va tapoter avec un petit bout de bois qui va bien. Bon, ça va, je pense qu'il va sortir. Pas obligé de sortir entièrement non plus, hein. Des deux tiers à peu près. Bon, par contre, l'appareil photo, il me gêne au milieu là. Mais c'est comme ça qu'on fait. Ouais, il vient bien. J'ai vu pire. Mal à la main déjà. Ah ouais. Il y a tellement d'huile dessus, enfin, de mélange. T'as mis là, non? Il est plus loin. On essaye. Voilà, c'est suffisant. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà pourquoi c'est suffisant. Il suffit de sortir des deux supports. Je mets ça de côté. Je récupère ma cage à aiguille. Qui elle était neuve. Il n'a pas roulé, il a roulé quoi, une heure. Voilà, j'ai récupéré mon kit. Il ne reste plus qu'à le monter sur l'autre. Le kit donc, c'est culasse, joint de culasse, pas le joint d'en base parce que c'est le même que le 125, cylindre, 66 au lieu de 56, piston, axe de piston, segment, les clips c'est les mêmes, la cage à aiguille c'est la même, mais il vaut mieux la changer quand même à chaque fois. Étant jamais s'il y a un peu de jeu avec le 175, ça va accentuer les bruits et les jeux. Voilà, donc il n'y a plus qu'à remonter sur l'autre. Biel, c'est pareil, puisqu'à l'origine c'est seulement pour la France qu'on a fait un 125, mais le bas moteur c'est exactement le même que sur les 525 d'origine, le 525 000. Vous savez ce qui est marqué sur les pièces. Voilà, je vais attaquer, ben, l'autre, faut sortir la culasse, le pot encore, tout ça. Allez, j'y vais.